Bon, bonjour à tous, venez m'accompagner, je vais enterrer un chat. Je prends la pelle. Alors, scandale hein, quand même, je trouve ça scandaleux. Le vétérinaire a demandé 100 euros pour faire piquer notre chat. C'est pour m'accueillir, c'est ma compagne. Pour moi, les vétérinaires sont en partie des parasites hein, et qui profitent de la sensibilité citadine de certains de leurs clients, clientes. Parce qu'en général, c'est les bonnes femmes qui ont une sensibilité de ce genre-là. Je vais l'enterrer ici. Alors, ça faisait 14 ans qu'on l'avait. 14 années, oh bah elle est bien morte parce qu'elle est très, elle a tous les caractéristiques du chat mort, enfin ici en l'occurrence c'est une chatte. Bon, je vais l'enterrer ici pour faire plaisir à Isabelle avec dans son linceul de vétérinaire ce fumier qui a réclamé près de 100 euros. Je trouve ça scandaleux. Si j'avais enterré le jaune pas loin là, à 1 mètre d'ici, j'ai le souvenir que la terre était meuble. Donc je me dis, je vais l'enterrer à côté, étant donné la facilité de la chose, hein, en ce qui concerne le trou à creuser. Alors moi personnellement, je n'aurais absolument rien payé, j'aurais attendu que la nature fasse son office, au moins c'est gratuit. Parce que l'argument qu'il a avancé, le vétérinaire, c'est qu'elle souffrait. Oui, ben, elle aurait souffert, ça fait partie de la vie. Au moins la souffrance, c'est gratuit. Parce que le fait de, sous prétexte de vouloir abréger les souffrances, de faire payer 97 euros, ben, j'appelle ça un abus de faiblesse. Ou alors, c'est l'exploitation de la bêtise de certains humains. Voilà, et ça, je suis contre. Et j'ai dit, oui, on souffre, bah, ça fait partie de la vie, la souffrance. Alors, non pas que je me serais réjoui de la souffrance de ce chat, c'est pas la question. Mais je me dis que la nature fait très bien les choses, elle-même. Hein, et encore une fois, elle fait les choses de manière parfaitement gratuite. Alors, pourquoi pas en profiter hein. À la terre... Elle semble bien véreuse. Ben ça va être l'idéal. Hein. D'enterrer un cadavre dans une bonne terre. Là, elle va se décomposer facilement. Je me repose un peu, hein. C'est fatigant. Ouh. Alors, je sais pas si ça se dit une terre véreuse. De toute façon, c'est des lombriques. C'est pas des asticots. C'est pas assez profond. Ah, c'est du sport. Hein. Ah, c'est assez profond, je suis fatigué. Comment ça? Oui, comme ça. Oui. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Ouh, c'était assez fatigant pour moi. Et je vous dis à une prochaine fois
Alors, pas pour l'enterrement d'un chat, j'espère, mais enfin, pour d'autres aventures. Des nouvelles aventures dans la nature, j'espère. Merci à tous, au revoir.